Après que le tribunal les a condamnés pour vol et faux, les sources de la PLAF admettent. Nous avons reçu de l'argent pour inculper Dan Gertler. Dans une récente interview, deux anciens employés de la banque à Freeland qui ont volé et falsifié les documents l'admettent. Nous avons volé les documents de banque en échange d'argent en espèces et d'une vie confortable à Paris fournie par la PLAF. Un employé de banque admet « Je n'avais pas quitté le Congo avant ». Aujourd'hui, ils vivent à Paris dans un appartement fourni par le gouvernement et reçoivent un revenu mensuel généreux de la PLAF pour continuer de mentir. Ils continueront de mentir pour continuer d'obtenir de l'argent. Quels sont les véritables intérêts de la PLAF ?